began because you died. Out of your cell you ran and then you died. You paused to catch your breath and die another gruesome death. So now you creep around each corner terrified. Bonjour à toutes et à tous, c'est Raven pour le 11e épisode de mon Let's Play sur Resident Evil Rebirth, toujours en compagnie de Rémi. Salut tout le monde. Je ne m'y attendais pas ça. J'avais dit je le ferais pendant... Mais j'avais oublié. J'avais oublié. Salut tout le monde. Et donc du coup, là je vous retrouve dans le menu pause en fait parce que j'ai avancé un tout petit peu et je suis dans le couloir où je pense que la clé de la résidence, je pense qu'elle doit s'utiliser dans ce couloir puisque clé de la résidence, il me reste qu'une porte fermée à laquelle j'ai accès, donc je pense que ça doit être celle-ci. Donc on va aller la tester tout de suite dans ce couloir là et j'ai mis pause parce que c'est le couloir où on se fait agresser par des guêpes, donc on va éviter. Voilà. Vous avez utilisé la clé de la résidence, voilà. Ouais, et c'était bien sur le truc galerie. Et elle sert bien qu'une fois ici. Hop, donc est-ce qu'il y a des trucs à ramasser ici? Il y a des trucs à ramasser ici. Et il y a beaucoup de portes fermées. Ah oui, mais c'est dans cette salle aussi qu'il y a une ruche. Ah bah oui. Il y a de te suivre. Hein. Ouais, vite fait, on va chercher la ruche pour savoir s'il n'y a pas moyen de s'en débarrasser. Allez, pas aller chercher là. Oui. Il ne faut pas aller plus loin, c'est trop dangereux, mais il y a un truc qui traîne. Ah, mais peut-être plus tard, tu trouveras peut-être le moyen de vaporiser ou de les tuer. Ou... Du coup, ça. Ah bah voilà, spray d'insecticide, c'est peut-être ça. Non mais près de la ruche peut-être. Ouais. Et tu vas toutes les éliminer et on restera plus. Ouais bah non. Oh, à travers le trou par lequel t'as regardé. Ah peut-être. Oh, ça vient de me faire tic. Que ça se trouve, le trou il donne juste en face de la ruche et pouf, tu neutralises tout d'un coup. Bonne idée. Donc je vais tout de suite essayer. Et merde. Et ta tour récupérée où il y avait des. Génial. Allez, retour, on vous retrouve alors qu'on va. Qu'on allait essayer de se débarrasser de la. Des abeilles. Des abeilles en passant par le trou au fond du couloir. C'était ça. Ouais. C'est bien ce que je pensais. Là, tu les tues tous, en gros. Sauf ces deux-là. Oh merde. À mon avis, on tue tout le temps, celle-là. Ça va, tant qu'elles me suivent tout le temps dans ce couloir, il y a pire. C'est vrai. Imagine, il y aurait la grosse madame aussi avec. Oh mon dieu. Cet objet, clé de la résidence. Porte le numéro 003. Ok. Ouais. Bon, je sais pas du tout où se trouve la chambre 003. Bah, elle est là. Non, tu vois pas à gauche, il y a marqué. À droite, il y a le gros 003. Allez, oui. Donc il y a un truc qui brille ici, des rubans ancreurs. Ouais, génial. Bien, je me rappelle de ça. Ah, tu sauvegardes? Non, je sauvegarde pas.
Il y a un truc à faire avec l'armoire. Enfin, pas celle de droite, la bibliothèque. Ah oui, le livre rouge aux pages vierges. Voilà. Expérience de chimie organique en labo. Les précédents rapports exposaient les similarités cellulaires de la plante à croissance ultra rapide infectée par le virus tyran. Cependant, en cherchant à corroborer le résultat de nos expériences, nous avons mis à jour une autre donnée intéressante. Nous avons découvert que l'UMB20, un élément chimique de la famille des UMB, comporte un composant qui détruit les cellules de cette plante très rapidement. Nous avons rebaptisé l'UMB numéro 20 V-Jolt. Si nos calculs sont exacts, la plante devrait mourir 5 secondes après application du V-Jolt directement sur ses racines. Pour synthétiser du V-Jolt, il suffit de mélanger de l'UMB et du VP dans des proportions adéquates. Cependant, la manipulation des substances chimiques UMB demande beaucoup de précautions. On sait en effet qu'elles peuvent dégager des gaz toxiques. Oh là là. Voici les caractéristiques de chaque composant chimique UMB. UMB numéro 3, rouge. Jaune 6, jaune. UMB numéro 7, vert. UMB numéro 10, orange. UMB 017, bleu. Et VJOT. UMB numéro 20, brun foncé. Ce qui est marrant, c'est que c'était les couleurs de... De quoi? Ah, des lampes à huile. Ouais, je suis en train de me rappeler les lampes à huile, mais je me dis que je vais déjà aller chercher le livre rouge. Ouais. En me faisant au passage agresser par cette foutue plante. Attends, plan. Machine à écrire. Il n'y a pas un coffre dans cette pièce? C'est une machine à écrire. Bah non, faut croire que ça fait comme dans la salle à manger. Machine à écrire, ouais. Mais pas de... Je vais quand même faire un petit tour au cas où j'aurais raté. Pitié. Oh, par contre, après application du V-Jolt directement sur ses racines, les racines, ce serait pas l'endroit où on aurait trouvé qui se trouvait dans la salle de Neptune. Ah, peut-être. Peut-être, peut-être. Et du coup, ça veut dire qu'on serait quand même obligé de retourner un moment. Ouais, au bassin inférieur. Voilà. C'était tout, ok. Ah bah c'est pas comme si j'avais le choix, alors je vais devoir retourner me retaper la plante, me refaire attraper comme une truffe. Mais d'abord on va falloir faire le truc V-Jolt, je crois. Ouais, non, mais pas ça, pas ça, on allait chercher le livre rouge. Ah, ah ouais, bah ouais, les lianes. Tentacule, liane, enfin ouais. Ouais. Ah si, y'a plus de gap maintenant. Ah, y'a plus du tout? Non. Ah, c'est cool. Non, plutôt. Et merde. Bon bah c'est pas passé. On y croyait. Toujours faut y croire. Et je me reprends un sang complet au passage. Ouais. Comme ça, ça me fait une place de plus. Toujours ça de plus. Parce qu'on sait jamais sur quoi on peut tomber. Exactement. Et je rêve. Oh,
Maintenant, la plante qui me chope dans ce sens-là. Alors, on sait jamais sur quoi on peut tomber. Le jeu qui décide de te faire chier, par exemple. Voilà. Voilà, si tu places le livre rouge, normalement ça marche. On se sent un peu rien de l'associer tout seul. Ah ouais, là faut que ça fasse le redessin en plus. Ouais, ça va encore changer. Le dernier, le. Les deux extrémités, parce que j'ai un peu. Ouais, non, je. Ok, c'est bon, je crois. Donc, mettons celui-là, oui. Ensuite, celui-là. Voilà. Celui du milieu qui va plus vers ici. Ouais, c'est bon. Oh non, il reste le. Ouais. Encore. C'est pas bon. Non, et je crois que je peux inverser deux encore. Lui et lui. Voilà, et les deux premiers après. Enfin, les deux tout à droite. Voilà. Bien joué. Ouais, une porte. Youhou. Dans un nouvel endroit. En rouge. Oh là, il y a la plante. C'est moi, je viens de me casser la gueule. Tu t'es cassé la gueule. Donc ok, ils font un jeu avec des contrôles de merde, en plus ils te laissent te casser la gueule si tu tombes. Je vous déteste. Pour rajouter un peu de piment. La planque à bas ou quoi? J'aime bien la décoration de la pièce. Putain, mais c'est pas possible. Je vais te faire foutre. Putain, on va te battre. Foutez-moi la paix, j'enregistre. J'aime bien le. Je vais vous faire foutre. Ouais, mais y a rien à faire en plus. Non bah non. Ok, n'ayant rien trouvé à faire dans cette pièce, j'ai pris la décision. D'aller au rez-de-chaussée, voir si je peux crever un coup. Parce que tu peux la tuer la plante. Non, je peux pas la tuer, je pense qu'il faut récupérer des trucs pour faire le V-Jolt. Moi aussi. Ou alors des grenades acides peut-être. Je suis crevé. C'est bon maintenant que tu m'as bien fait chier, téléphone de merde. Putain. Oh.
Donc, visiblement, il n'y a rien à faire dans cette pièce, on est d'accord. Ah non, il n'y a rien. Donc, bah, maintenant, il faudrait que j'aille récupérer les munitions de Magnum, ça aussi, ça m'emmerde. Ah oui, c'est vrai. Putain! Reste calme. Ah, pourtant, c'est l'épisode 11, non? 10? Non, c'est l'épisode 11. Ah oui, 11. Putain, qu'est-ce que ça va être l'épisode 13 si ça commence déjà à me faire chier à ce point? Pourquoi 13? En général, c'est celui qui porte malheur. Ouais. Ouais, il te porte malheur, toi, l'épisode 13? Bon, moi, tu sais, ils me portent tous un peu malheur. C'est l'épisode 1 qui me porte toujours les poisses. La poisse. Où c'est qu'on pourrait aller concocter ce foutu truc? Je sais pas. Je vais pas prendre les balles de Magnum tout de suite, comme visiblement on aura besoin d'y retourner dans le bassin circulaire en fait. Oh là là, ah oui c'est vrai, faut se retaper tout le truc avec les insecticides et tout. Ça va maintenant qu'on sait, c'est rapide. Ouais. Mourez, bande d'abeilles, mourez, allez, pas vous. Bah non, pas encore. Mais c'est pas possible, ils m'ont mis en attention alors que... T'as récupéré la clé de la chambre 003? Non, pas encore. D'accord. J'ai oublié de chercher le livre. Oh non. Bon, dans le précédent épisode, on avait bien avancé, celui-là, on avance un peu moins. Oh bah déjà, je ne me ferais pas chier toutes les 5 minutes, peut-être que ça avancerait plus. Si. Surtout pour les problèmes que c'est. En plus. Oh, ça c'est avec les yeux. Rappelle l'énigme avec le billard et tout? Ouais. Alors en rouge, c'est le... Le rouge, on va dire 3. Pour le orange, on va dire... 5. MDR. On va dire 6. Oui. Bien joué. Ah bah c'est peut-être là qu'on fait le... Et dans ce cas, j'ai bien fait de noter les boules de... J'ai bien fait, comme toi, j'ai bien fait de noter les boules de billard. Ouais. Ah là, c'est là où faut faire le V-Jolt.
Ouais, bon, on va se ramener avec l'inventaire presque vide. On va juste prendre sur soi le fusil et des munitions, j'ai l'impression. De toute façon, on ne croise pas de monstre à part cette putain de tentacule. Ah, tiens, d'ailleurs, j'ai peut-être une idée pour la tentacule. On va voir si ça peut marcher. Là, ça se trouve, ça évite les deux. Ou alors ça se trouve, faut pousser, tu sais, faut pousser un petit peu la caisse à chaque fois pour passer. Ouais. La pousser un petit peu dans ce sens-là pour passer ici, et puis la pousser un petit peu dans l'autre sens pour passer. C'est possible. Tu peux peut-être poser peut-être les ouais le fusil ou le flingue. Clé de la résidence, on va s'en servir. De toute façon, le pistolet n'est plus très utile maintenant. Après, je te dis, garde tout, le mélange, on sait jamais s'il y a une tentacule qui arrive, c'est en danger. Ouais. Après. Maintenant, on peut repartir faire le V-Jolt. Non, pas tout de suite. Avant, on va s'occuper aussi, on va quand même avant prendre. Ah oui, le livre. Ça nous évitera un aller-retour, c'est pas beaucoup, mais bon. Toujours ça, toujours ça. Hop, et si on la repousse un petit peu dans ce sens-là en repartant. Ok, ça passe. En fait, faut la pousser trois fois à chaque coup dans chaque sens, dans le sens dans lequel on va aller. Comme ça, on est sûr de ne pas se faire toucher, j'ai l'impression. Bon, bah, c'est pas mal. Parce que bon, et j'ai récupéré le livre rouge parce que de toute façon je vais devoir y aller dans cette pièce parce que les proportions tout ça je m'en souviens plus trop. Bah en plus c'est. Enfin c'est surtout des trucs genre mélanger tel avec tel, faire ensuite hein, pour obtenir le truc. Oh il y a un truc qui brille. C'était du ruban encore. Ah on va les prendre après. Ouais, je vais d'abord attendre d'avoir le V-Jolt et puis ensuite. Poser le livre rouge. Là, faut refaire le truc pour avoir la fin. Tout devant, ouais. Les pieds avec le truc derrière, là, au bout du pied. Ouais. Après, t'as les jambes et. Et voilà. Sauf que ce coup-ci, c'était on plus rapide. Va dans la pièce. Hop, on va éviter d'y entrer dans cette pièce. Toujours la même. Hein. Le poignard, on le prend parce que ça prend pas de place dans l'inventaire. Et on va s'occuper du V-Jolt. Là, c'est le truc chiant à faire. Je vais même croire.
Oui. Bouteille. J'ai l'impression que j'ai 4 bouteilles vides. Je crois que tu peux prendre de l'eau dans cette pièce. Ouais, j'en ai déjà pris de l'eau. Ouais, ok. Du jaune 6, il y a l'UMB qui traîne par là, si vous me souvenez, l'UMB numéro 3. T'as lu l'inscription qu'il y avait? Il y a un truc marqué sur le mur. Ici? Ouais. 1 plus 3 égale 4, 4 plus 6 égale 10, 1 plus 6 égale 7. 10 plus 7 égale 17, 17 plus 3 égale 20. UMB numéro 20. C'est bien pour des scientifiques de haute volée, je trouve qu'ils savent bien compter jusqu'à... Donc, si tu mets... Ça se trouve, c'est la solution. Ça, c'est du jaune 6, t'as mis de l'eau? Regarde le plan. Non mais à mon avis faut faire les mélanges. Ouais. Bla bla bla. UMB numéro 3 c'est rouge. Ah mais ça il nous dit juste les couleurs. De l'UMB numéro 3 et du VP. Donc faut réussir à obtenir du VP en gros, si j'ai bien compris, parce qu'on n'en a pas du VP, on a ouais, du jaune en fait. 6. Mais ça se trouve les additions là ça aide, parce que regarde ils te disent 1 plus 3, 3 c'est t'as le 6 c'est jaune, t'as 3 c'est UMB, t'as pas des trucs. Et l'UMB numéro 20, ça c'est 20. UMB numéro 7, 7 plus 3 il y a 10. Je suis trop fort. On va reprendre un peu de jaune 6 qu'on va ajouter. Raté. Je vous demande la chimie avec Jill Valentine. Ouais. Ça se trouve, faut faire l'addition. Donc attends. Pour que tu reprennes de l'eau. 1 plus 3, 1 plus 3 égale 4, 4 plus 6 égale 10. 1 plus 6 égale 7. 10 plus 1 plus 6 égale 7, c'est du MB7 que j'avais. Donc le 1, ça doit être l'eau. Non, le ouais, 1, ensuite 3, c'est UMB numéro 3. 6, 6 c'est jaune 6. 6. Donc attends, faudrait que j'ajoute pour avoir du... Ah, et donc ce que je cherche à obtenir, en gros, c'est le 17. Voilà. Avec le 17, je crois que tu rajouteras du 3 et ça te fera... Ouais, ça te fera du 20. Donc il faut que d'un côté tu fasses un truc pour obtenir 10 et de l'autre un truc pour obtenir 7 et après tu mélangeras les deux. Donc d'abord... De l'eau plus du... Ouais. De l'UMB numéro 3. Comme ça, ça fera 4. Après tu feras 6 plus 4 et... Ensuite il faudra trouver le truc pour faire du 7 en faisant du 1 plus 6. Donc d'abord de l'eau et du... L'UMB numéro 3. Voilà, là j'ai mon 7. Ouais, et ensuite le 7, tu peux le... bah, tu peux garder un 7. On reprend de l'eau. Ouais, reprendre l'eau. On va ajouter à ça. Voilà, ça fait 4. Et le 4, en tu mets 6. Du jaune 6. Ouais, voilà, et ensuite ce sera bon. Voilà, et ensuite tu associes les deux. VP 17. Et ensuite faut mettre du 3, de l'UMB numéro 3. C'est quand même concentré.
Voilà. Végalt. Parfait. Par contre, maintenant, j'ai 3 bouteilles vides sur moi. Ah bah, je sais pas ce qu'on veut. On va repasser bah... par le coffre. Ouais, on va repasser par le coffre et puis on ira tout. On va aller se débarrasser de la plante après. Je pense que pour les racines, c'est ouais. La salle qu'il y avait dans le petit truc qu'on avait vu dans le bassin circulaire. Donc, je pense que ça peut être une bonne idée de retenter notre chance. Ah, quoi que j'ai un fusil, est-ce que c'est vraiment la peine de repasser par. Je pense pas. Oh les puits, merde, on est fou. De toute façon, il n'y a personne sur notre route. Ça se trouve, allez, pour la neutraliser, faudra aller voir Neptune. Enfin, là où il y avait Neptune. Ouais, bah c'est là que je te disais. Ouais. Tu sais, dans la salle bah, oui. Où à l'étage, il y avait une espèce, ouais. Tu sais, et puis j'étais rentré dans la pièce et puis on a vu qu'il y avait un espèce de truc grouillant. Ouais. Et puis j'avais dit, ouais, donc finalement, par là, on va rien faire là. Et ça se trouve, bah, c'est ça les racines en fait. Ouais. Et du coup, tu la neutralises par là et c'est bon. Ouais, et après, elle meurt en haut. Tu fais sniffer. Et ça t'évite toute la phase de combat avec elle. Voilà. Aucun commentaire ne sera toléré. On profite pour prendre le passage. Hop, ça c'est fait. C'est dommage qu'on puisse pas jeter les trucs. Non. Mais bon, ça doit être pour éviter les accidents du genre tu jettes ça et hop, t'en as besoin. Ouais. Ensuite, si je me souviens bien, c'est par là. Ah oui, c'est dans la petite pièce à gauche, en remontant. Ouais, ensuite faut tout monter tout en haut. Pouf, 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 putain, on en monte et on en descend des échelles dans cette zone. Si je me souviens bien, c'est celle qui est juste là. Elle a pas l'air d'apprécier. Ouais, non, c'est pas du bien. On aurait probablement plus besoin de la bouteille. Ah bah on a acheté les 4. Oh génial. Mais ça passe même pas par terre. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc ça c'est fait. Donc normalement maintenant si on va dans la salle où il y avait la plante géante, la plante est morte. Bon. Ouais. Normalement. J'ai pas d'espérer. C'était la seule pièce qui me restait à explorer de toute façon. Oui, bah oui. Ouais, c'était tout ce qui me restait à explorer, cette pièce-là, la pièce. Dans la pièce avec la machine à écrire, il y avait un groupe de rubans encreurs. Voilà. Ah non, et puis il y a aussi l'autre où il y a un truc qui traîne, mais je sais pas ce que c'est, donc on finira de fouiller aussi cette pièce pour voir ce qui traîne dans la pièce centrale. Cette porte-là me fait penser à Resident Evil Révélation. Ah oui, pas faux. C'est sur la boîte. Oui. Les autres, tu feras un petit peu ou non aussi celui-là. Faut pas oublier qu'il y a. C'est de l'autre côté. Faut pas oublier qu'il y a un quart d'heure qui est parti au début. Ah, mais j'ai enlevé le quart d'heure.
Parce que là ça fait 50 minutes, je vois, mais normalement ça fait à peu près 35. Mais bon, c'est pas grave, après tout, comme on a dû recommencer tout le truc avec la plante. Ouais. Même si ça a été assez rapide. On est en train de vider le manoir. Mais donc, normalement, dans la salle où il y a la plante, on trouvera un truc qui nous plaît. Bah, j'espère que la clé casque. Oui. Ah oui, c'est vrai, on l'a toujours pas trouvé celle-là. Non, on l'a toujours pas trouvé, et puis je suis en train de remarquer que j'ai presque tout exploré dans la cour et dans le truc, donc si on la trouve pas, c'est pas pour dire, mais on va se retrouver coincé comme des cons. C'est clair. Ah mais il peut pas être que là. Hein. Oui, parce que sinon je vois pas ce qu'il me reste à explorer d'autre. Non. Sinon ça signifie fin du jeu. Bon bah les gens, je vous quitte pour ce let's play, je réussis plus à avancer. Vas-y, j'espère que la fin vous aura plu, c'était épique. Ah, rétrécit encore. Oh. What the hell is this thing? Barry! Jill! Bear! Brûle là! C'est Rambo, Barry. Que c'est bon. I thought it was finished. Yeah. That was close. Thanks again. Don't mention it. But what was that? What the hell's going on in this place? Il y a un truc qui brille. Something about that mansion still bothers me. But I think I'll stay here a little longer. On se demande bien de quoi il parle. All right. Oh non, c'est pas. Parlons-nous encore. Oui. Et cette pièce est en verre. Donc dans cette pièce, il y avait vraiment juste une putain de clé et une plante géante. Ouais, clé casque. Bon bah, la dernière clé récupérée. Ouais, donc on va maintenant, on va juste essayer de finir l'exploration de cette... de la petite pièce. T'as récupéré le ruban incroyable ? Non, pas encore. Justement, je voulais finir par cette pièce. Comme ça, après, je l'ai sauvegardé. Et je sais pas pourquoi je dis toujours les rubans ucre. Ah, mais y'a rien ici. Ah non. Pourtant, la pièce est en rouge. C'est peut-être sur la table, je sais pas. Ah bah voilà, une herbe rouge. Ok, troll. Ah c'était ça. Putain, fallait bien voir l'herbe rouge. Ouais, sur un tapis un peu rouge en plus, c'est bien utile.
Encore un ancreur. Hop, et on va sauvegarder. Et puis je vais vous quitter ici pour aujourd'hui. Donc dans le prochain épisode, on commencera par le truc chiant. En gros, on ira récupérer toutes les plantes bleues qui se trouvent dans le petit couloir. On essaiera de faire le tour pour récupérer toutes les petites plantes qui se trouvent dans cette zone. Voilà. Histoire d'éviter de partir, avec le plus de plantes en rab. Après tout, c'est vrai qu'on peut pas trop se permettre de cracher dessus. Donc on essaiera de récupérer le plus de trucs possible dans le prochain épisode. Et puis bah ensuite on retournera au manoir. Et on y voudra toutes les portes qu'il faut avec la clé casse qui est là. C'est pas pour dire, mais il y a de quoi faire. Voilà, on peut s'occuper encore. Je vais bonne heure. Allez, j'ai oublié de sauvegarder avec tout ça. Bravo. Non, c'est du papier peint ça. Oui. Voilà. 15e sauvegarde. Et voilà, c'était Raven pour le 11e épisode de mon Let's Play sur Resident Evil Rebirth. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. À plus, bye. À plus tout le monde.